Allez, on danse sur le chat. Shaolin, Shaolin, à votre avis, à combien je finis? Je rappelle tout de même. Je rappelle tout de même la règle. En cas de tout pile de ma part, eh bien sachez que je gagne un pote supplémentaire. Voilà, je le dis encore une fois. À part si je suis déjà à deux potes, ça ne se cumule pas. Voilà, voilà, je le redis, hein, je le redis. Derrière Long Train Running, c'est Long Train Running. Le TGV Atlantique battait le record de vitesse à 510 km/h. C'est incroyable. Effectivement, c'est un beau, une belle performance. Ça veut dire que pendant le temps de notre émission, le TGV peut parcourir environ 297 km. Bravo. Et malheureusement, le TGV, il a quand même un défaut. Il monte pas les marches. Oh Jean-Luc, c'est alors, vrai ça. Si toutefois vous regardez la télé dans le TGV, vous pouvez pas gagner 10 000 euros. Sacré Jean-Luc, sacré Jean-Luc. Moi je dis que le TGV il sera vraiment parfait quand il saura monter les marches. Bravo à lui hein. Accueillons ceux qui vont les descendre. Tout d'abord, Philippe. Philippe, Philou. Salut Philippe. Bonjour Jean-Luc. Philippe avec un F. Ouais c'est ça. Une raison particulière. Philippe avec un F, ça existe? Philippe peut-être. Ah. Bon bah voilà. Et voilà, c'est gagné. Le Portugal, d'accord. Philippe, el Portugal, Felipe. Ah, on l'a l'accent. Aminata. Cristiano Ronaldo. Ah bah alors après le Portugal, c'est le Sénégal. Oula, Jean-Luc, tu vas un peu vite en besogne. Il a pas hésité. Il a pas hésité gros. Il y a pas eu une hésitation. Oh là, après le Portugal alors. On vient d'où là? Alors, est-ce qu'on peut? Non, c'est il est extraordinaire. Je l'adore mais Jean-Luc, je l'adore, je vous le dis. Ah bah alors après le Portugal, c'est le Sénégal. Le Sénégal est avec nous aujourd'hui. Aminata. C'est extraordinaire. C'était les gars, vous pensez que c'était il y a 10 ans? Mais c'était il y a 21 ans. Il y a 21 ans déjà. Qui arrive? Oh là, lui il est chaud. Et Cédric vient d'où alors? Alors il vient de Saint-Lumain-des-Joncherets. Saint-Lumain-des-Joncherets. Ouais. C'est quoi ça? C'est juste à côté de Dreux. Eh ben écoutez, bienvenue à Dreux. Et c'est une chemise à Maxildan là qu'il a volé ou quoi? C'est quoi ce bordel? J'ai rien compris. Cédric et enfin accueillons Mireille. Oh Mireille, ah, oh Mireille, oh là Mireille. J'ai cru que vous alliez tomber. Non. Ah mais si, vous alliez tomber. Non. Vous, ah attendez, oui, attention, la marche. Oui. Est-ce que vous pouvez la refaire juste? Attendez, parce que... Non, parce que c'est vrai, on a failli un peu... À un moment donné, j'ai senti, attention. Oh non, non, l'accident du travail. Accueillons Mireille. Allez-y. On va se péter la gueule. En fait, il est joueur, hein, Jean-Luc, parce que là, vous pouvez vraiment se péter la gueule. Hein. Quelle arrivée. C'est pour ça, c'est mieux de vous voir arriver deux fois. C'est vraiment le portail de Stargate Azure, c'est la porte des étoiles. Hein. Bon, est-ce que bon, vous êtes content du public? Merci, Django. Bien. Oh, merci, Oxalis, aussi, pour ton 30e mois, j'avais pas vu. Yo, Gigi, je sais pas si t'as vu, ils t'ont cité dans un article de BFM sur Disney, la star. Oui, c'est vrai, j'ai vu, vous m'avez arrobase là-dessus. Là, BFM qui marque les fans en ont marre et s'expriment sur les réseaux. Il y a mon tweet. S'ils savaient ce tweet, ce qu'il a engendré par la suite. Alors bon, on va descendre ensemble. Là, vous faites attention, tout ça, tout va bien. Oh là là. Est-ce que vous pouvez vous adresser à nos téléspectateurs ou pas pour leur dire bonjour? Oui, oui. Alors, ils sont là, oui, caméra. Bonjour tout le public, j'espère vous passer un bon moment. Oh oui, je leur souhaite peut-être un bon appétit. Bien sûr, bon appétit à tous. Et bonne après-midi. Et voilà. Mais juste bonne émission, wesh. Et bonne après-midi. Voilà. Lâche ça, meuf. Après-midi. Et un dernier bonne. Bonne émission. Voilà. On y va. C'est pourtant facile. Elle est gentille. C'est ma préférée. Elle a la voix de Shirley. Dis non, je suis un peu d'accord. Mais bonjour, c'est pas possible. Shirley Dino, le prime du divertissement, hein, si on m'écoute. Et vous avez une forme, Mireille. Oui. C'est toujours comme ça. Toujours.
Toujours en pleine forme. Toujours en pleine forme. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mireille? Retraitée? Je suis retraitée. J'étais vendeuse de charcuterie et fromage coupe dans un grand magasin pendant 30 ans. Oh là là, bah non. Oh là là. Il y a une situation un jour où vous n'êtes pas bien senti, un peu ridicule dans une situation de la vie. Oui, quand j'étais avec des copains et des copines, j'étais en haut d'un talus, j'ai glissé dans la... J'ai glissé dans la... Oui, je suis tombée... Dans la demeure, pour ceux qui ne comprennent pas, voilà, je traduis un peu. Mais j'ai roulé jusqu'en bas. Ah d'accord. Oui. Dans la... D'accord. Vous, Cédric, il y a une situation où vous n'étiez pas très bien. Anecdote de fou. Voilà, anecdote de malade. Il faut le dire. La pure frappe. Ouais, on va dire qu'un jour au lycée, j'ai fait une chute en saut en hauteur et que j'ai retombé sur le bord du tapis. Et j'ai retombé. Après, la tête la première dans le sol. Ah, c'est pas terrible. Vous, Aminata, il y a une situation où... Ça, c'est des séquelles. Oui, il y en a une. C'est un jour, j'étais en boîte. Oui. Avec mes amis, j'ai voulu faire comme les grands, boire d'alcool, ça n'a pas marché. Ah ouais? Ah oui. C'est-à-dire? Disons que ça fait tourner la tête. Ah c'est ça? Depuis j'ai arrêté. C'est vraiment ridicule. Ah ridicule. El Felipe, il y a une situation où... Comme les grands. Et un jour, il faisait du vélo. Ah, il faisait du vélo, Felipe. Oh putain, les gars. Et ouais, mais alors, mais j'ai l'impression qu'on les choisit bien, voilà, j'ai l'impression qu'on les choisit bien, les épisodes. Il a tenu 10 minutes, et on y va, mais c'est une folie, les gars. Et à la playa, non. À la playa, si, allez-y, et alors? Au bois de Vincennes, et... Bah après, c'est lui, il le lance aussi, frère. Il le lance aussi. On a du grand Jean-Luc. Il aurait jamais dû le lancer. Il a mis une pièce dans la machine. Et là, on va avoir du grand Jean-Luc. On va se régaler. Petit problème sur la roue arrière. Ouais. Alors, je regarde tout en pédalant. Oui. Et il se trouvait que j'allais sur le côté. Oui. Enfin, j'allais pas tout droit. Oui. Et au moment où je lève la tête, je me prends le trottoir et je fais un vol plané contre un arbre. Oui. Et j'étais torse nu et... Ah oui. Et c'est là où vous avez perdu le torse. Attends. J'ai dû aller au Brésil faire une opération après. Au Brésil, au bois de Boulogne en plus. Je vois. Mais ils en ont rien à foutre. Ok, c'est incroyable. Il a toutes les refs, ils ont toutes les refs. Ah, et les gars, ça c'était drôle. Vraiment, ça m'a fait un petit sourire. Ça m'a fait un petit sourire parce que je me dis, waouh, quelle époque de fou. C'était bien avant. Les potes arrivent. On parlait de ridicule, tombe bien. Première question. Ok. Sur 100 Français, combien sont déjà rentrés... Dans un cul. Dans une porte... vitrée. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous est arrivé, Mireille? Les gars, dans une porte vitrée, honnêtement... Oh, putain, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que c'est beaucoup. Moi, je pense que c'est beaucoup. Je vais mettre ça. Moi, je vais dire, tiens, ça. Je pense qu'en vrai, c'est beaucoup. Hein. Pour le coup, je vais abuser peut-être un peu. Vous allez peut-être dire que j'abuse, mais... Bon, en vrai, j'abuse pas tant que ça. Je pense que c'est ça, moi. Et je pense que c'est même plus, mais... voilà. Marchand. Alors, sur 100 Français, combien sont déjà rentrés dans... Je vois qu'il y a du 69, 49. En marchant. Ça vous est arrivé alors, Mireille? Oui. Et alors, mal? La tête. Vous avez répondu combien, Mireille? 12. 12? Quoi? Cédric, ça vous est déjà arrivé, non? Ah non. Non? Jamais. Non. Vous avez répondu? Mais attendez. 16. Quoi? 16. À Aminata? Non, mais à mon frère, oui. 50. 50. Oui. Oh les gars, le chat, vous êtes chaud. Je parie, Philippe, que vous avez marqué 16. J'ai mis 47. Ah, genre, tu t'es... Attends, mais comment... Attends, mais il s'est passé quoi? 473. Une petite erreur, là, je pense. Alors, je voudrais juste... Parce que ça lui arrive jamais. Et là, ça lui est arrivé. Il s'appelle Jérôme à l'ordinateur. Il fait un boulot et il s'est trompé. On applaudit très, très fort l'ami Jérôme. Et je voudrais qu'on aille
le voir tout là-haut. Lève-toi, Jérôme. C'est cet homme qui, derrière ses quand c'est GG. Travaille jour et nuit. Jérôme, il fait rentrer les chiffres. Il fait rentrer les ça points. Se voit, il est en mode, non, mais moi, je suis pas devant la caméra, là. Foutez-moi là. Laisse-moi tranquille. Oh, GG. Philippe, on a mis donc... Le PC, t'es un combien, alors 47. Hein. 47, donc c'est mis. C'est Cédric qui avait dit 16. 16 voilà, et tout voilà, va bien. C'est ça, pas de panique. Et sauf que moi, j'ai mis 57. Et je vois que le chat est à 59 au final. Vous êtes enfin si on le sondage, ça ferait 59, tu vois. Mais moi, c'était il y a longtemps. Merci encore à toi, Jérôme. Voilà. La réponse à cette question, et c'est donc Jérôme en appuyant sur son bouton qui va nous la donner. Les gars. Bien sûr, mais évidemment. Pour tout vous dire, au début, j'avais mis 65. J'avais peur que ce soit un peu trop. Et quand je suis redescendu, après, ah, c'est peut-être un peu plus. Mais on est bien. Par contre, je me rends compte que sur Attention à la marche, il y a eu un seul épisode où j'ai vraiment été à chier, je m'en souviens. Mais globalement, attends, je suis en train de me jinx. Je ferme ma gueule. Ah, je vais juste fermer ma gueule. Mais globalement, je suis un monstre. Voilà, je le dis. Et la plus. Bravo, Aminata. Ah, et... Vous êtes venu avec de la famille? Oui, ils sont tous là devant. Eh bien écoutez, c'est super sympa. C'est qui? C'est Delocho, Pompom, Pompier et Sally. Comment ils s'appellent? Alors il y a Pompier. Pompier. Pompom. Pompom. Delocho et Sally. De l'eau chaude? Oui. Attends. C'est des pseudos quoi. Écoutez, Pompier, c'est une question. Eh bien écoutez, c'est super. Bravo Aminata, ça commence bien. Désolé pour Mireille qui va partir. Oui. Mais comment ça, de l'eau chaude? C'est pas leur vrai nom, non? Je pense que c'est une team de l'eau chaude, ça n'existe pas. Eh bien, bonjour à eux. Parce que tu. Comment tu. C'est vrai, ouais, c'est les premiers gamer tags à l'époque. Je pense pas que ça existe. Ouais, et puis même pareil, pompiers, non? Ouais, c'est sûrement des surnoms. Je pense que c'est des petits surnoms qu'ils ont donnés. Ah, bah non, c'est son pote qui va partir. Mon pote! Oh, bah attendez, qu'est-ce qu'il y a, Mireille? De l'eau chaude 6547, pseudo Discord. Bah oui! Mais vous avez les easy potes aujourd'hui. Ah, ouais. Ça tombe bien. Ah, bon, mais écoute. Bah la deuxième question, si nous parlions de Paris. À Paris, quand un amour sera toujours Paris. Aux États-Unis, donc, combien de villes américaines s'appellent Paris? Ah ouais. Et en parlant de Paris, je suis en train de capter que je vous ai pas sorti le vlog d'Epcot. Et du coup, là, ça va faire tard. Du coup, je vous sortirai le vlog de Walt Disney World. Je vous sortirai demain. Je sortirai demain vers 18h, samedi. Comme ça vous fera une vidéo demain. Voilà, je vous le dis. Combien de villes américaines s'appellent Paris? Eh bien, j'en ai strictement aucune idée. Bah, s'il pose la question, c'est... Ouais, non, en vrai, non. J'en sais rien, je sais pas. Est-ce qu'il est censé en avoir beaucoup? J'en sais rien, je veux dire ça. J'ai peut-être... j'abuse du bail. Je pense que j'abuse du bail. Voilà, c'est bon, j'ai répondu. Ok, je vous montre tout de suite ce que j'ai répondu, ok? J'ai dit 10. Aminata, vous répondez 2. Cédric, vous dites... J'ai un abuseur, non? 5. Mireille, vous dites... 32. Vous en voulez plus de vos zizi? Ah, c'est 32, enfin... Peut-être que non, j'en sais rien. Philippe 200. Lui, il nous sauve. Lui, on est sûr qu'on va pas perdre de potes, là. Hein? D'accord? Là, vous allez pas dire que c'est Jérôme de l'ordinateur, hein? 200 villes. Anthony qui a dit 38, je dirais. Il fallait que vous vous délestiez d'un, c'est ça? C'est... Ouais. Ah, c'était pour, la réponse, c'était pour quelques exemples, Paris... Bien sûr, tout le monde connaît Paris, Texas, qui a inspiré le film de Wim Wenders. D'accord. Mais il y en a aussi dans l'Arkansas, Idaho, Illinois, Kentucky, Maine, Michigan, Mississippi, Missouri, Ohio, Tennessee et Virginie, ce qui nous fait 12. 12. Oh, bon ben... Voilà, encore une fois. Ça se joue à deux. Ouh, putain. Eh bien, c'est l'ami Cédric le plus proche de la réponse. Désolé pour l'ami Philippe qui va perdre un petit poteau. Ah, c'était avant moi, Anthony, moi j'ai capté du coup. Je dis parce que 38, ça fait bon. On va.
Bah 200 aussi, Philippe, gars. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Ça va aller quand même. Ouais, c'est dur, mais. vous faites du sport, vous? Ouais, un petit peu, ouais. Genre. Genre badminton. La question suivante nous dit combien de minutes durera le plus long échange de tennis de table en compète officielle. En minutes, le plus long échange de tennis de table. Oh, mais c'est méga dur. C'est méga dur. Attends, parce qu'il y a vraiment un échange. Attends, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est déjà une minute de... Waouh. Allez, je vais tenter ça sans grand... Je sais, franchement, je vais être honnête, je sais pas, j'arrive pas trop à me rendre compte. Mais c'est surtout que c'est long, quoi. Une minute, déjà, c'est long. Minute, compétition officielle, tennis de table, donc ping-pong, nos amis pongistes. Réponse de Cédric. Je sais pas, moi, franchement. Deux minutes. Deux minutes. Bah, deux minutes, c'est long, Mireille. Déjà, en vrai. 12 minutes. Philippe. 4. 15. 4. Il veut jamais lui mettre les bons scores. Aminata. 10. 10 minutes. Ok, je suis safe. J'ai mis 6 minutes, moi, personnellement. Mais je pense que 12, 10 minutes et tout, c'est méga long, les gars. Oh. C'est en minutes, hein. Et la réponse à cette question. Hein? Mais c'est pas possible. Mais comment ça? Attendez, mais comment ça? Un échange de 2h05? Mais attendez, non, mais attends. L'échange de tennis de table le plus long. Ouais. Et plus long point du tennis. Bah j'ai pas du tennis de table en plus, j'ai marqué, hein, de ping-pong. Ah non, mais c'est pas possible. Attends, world record, échange le plus long, tennis de table. Waouh, attendez, mais il y a un nouveau record. Il y a un nouveau record, les gars. Cet échange avait duré 8h, 15 minutes et 1 seconde. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais, ah oui, mais ça, c'est un record du monde. C'est pas en compétition officielle. Attends, c'est pas en compétition. Attends, mais ça, c'est un record du monde. D'accord, en 2012. Au Royaume-Uni, l'entraîneur italien, ancien joueur international gallois. L'ancien record était détenu par Brian et Steve Sebel aux USA, au Phoenix en Arizona, le 14 août 2004. Cet échange avait duré 8h, 15 minutes et 1 seconde. Mais ça, c'était du coup des échanges pas en compétition, je pense. C'était un marathon. Mais la vache. Un petit réac du record. Ouais. En compétition officielle. World record, échange le plus long tennis de table. Compétition. Record le plus long d'échange en compétition. Lors du tournoi du Qatar, la néerlandaise Li Ji a livré un échange incroyable face à la japonaise Hitomi Sato. Les deux femmes ont frappé un total de 766 coups pendant 10 minutes avant qu'une balle n'arrive sur une aire de jeu et n'interrompe le bras de fer indécis. Et pourtant, ça, c'est le record. Bah attends, mais ils sont allés chercher où leur record de 125 minutes, là, les gars Le record du nombre d'échanges en une minute. L'histoire du Big Bang, record du plus long échange en compétition. Donc c'est ça qui nous intéresse, l'échange le plus long en compétition. On a envie de dire tout ça pour ça, regarde la fin pour comprendre, lol. Le plus long marathon du tennis de table, attendez. Ah oui, si, non, il y a vraiment ça. Longest marathon paying table. Il y a eu du... Ah ouais, alors, le plus long match de tennis de table, ça c'est un match en simple, a été disputé en, tenez-vous bien, 132 heures et 31 minutes. Alors là, vraiment, il faut y avoir envie. En double, la plus longue, c'est 101 heures. Le plus long échange de tennis de table, The Longest, c'est le record du monde de Daniel, on l'a dit, c'est 8h40. Vidéo des dernières minutes de l'échange. L'ancien record était détenu, naninana. Un autre marathon. Mais j'ai pas le plus long échange en compétition. L'échange le plus long en compétition, c'est... Est-ce qu'il existe encore? La vidéo n'existe plus. Ah ouais, mais putain, alors là, moi, je sais pas. Hein. Je sais plus qui croire, les amis. Alors, peut-être qu'ils vont donner des infos, mais je suis choqué, là, les gars. 125 minutes? Eh oui, Jean-Luc. Qu'est-ce qui s'hésiterait? Soit 2h05. Cela s'est passé en 1936 au championnat du monde à Prague. Eh ben, écoutez, ils avaient... Entre un Roumain et un Polonais. Bien!
Ok. Eh ben, Mireille, bravo, que vous dire, désolé. Ah bah moi, j'aimerais aussi les deux heures après, bon, 1936, bon chance pour avoir la vidéo. Mais c'est validé par huissier. Pour Cédric qui va perdre un pote. Je suis choqué, hein, vraiment, la nous vache. Nous allons passer. Mais parce que avant tu fous des petits qu'avant et des tu grands. Fous des fonds. À la question co. Mais maintenant, c'est impossible de les voir. D'accord. Oh, la question co. La question coquine, la voici. Sur 100 françaises, ouais. Combien fantasment sur certains de leurs amis masculins? Vous entendez les françaises là, les vieweuses, sur 100 vieweuses, dans le chat là les vieweuses, combien fantasment sur certains de leurs amis masculins? 50, allez hop. Moi je vais mettre, ouais après, ça doit être des menteuses donc, le mec horrible, je vais dire ça, allez hop, je sais pas, franchement je sais pas, en scred et tout, je pense que j'abuse mais bon. Combien fantasmes bien bonsoir à ceux qui rejoignent. Certains de leurs amis masculins. Votez s'il vous plaît. Faut dire les viewers dans le chat. Cédric, c'est bon. Anaël, toi qui es avec nous là, tu fantasmes un peu sur tes potes là, un peu là. C'est bon Philippe. C'est bon Aminata. Oui. Ouais, sur 100 français, combien fantasmes sur certains de leurs amis féminins? Je pense que c'est au-dessus de 90. Vu les clés bosses qu'il y a, je vous le dis tout de suite. Hey. Oui. Vous avez des amis sur lesquels vous... Non, j'en connais pas. Non. Non. D'accord. Non. Vous avez répondu 5. 5. Non, c'est oui. Une abusasse, wesh. Non, 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 c'est plus. On verra bah. Bien. Non, là, Philippe, ouais. Vous fantasmez de temps en temps sur certains amis... féminin, pardon. Bah pourquoi, on sait pas, hein, tu sais pas. tout le temps, ouais. Tout le temps. Non, non, ça m'arrive rarement. Ça vous arrive. Vous êtes accompagné dans la vie, non? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ah bah du coup, il avait le joker, parce que s'il était accompagné, il pouvait pas dire « Ah ouais, sur putain, la pote de ma femme, tous les soirs, oh là là, je me poignarde dessus. » Le mec ne peut pas dire ça. Mais il est seul. Tout? Non. Elle s'appelle comment? Espérance. Philippe, vous avez marqué combien, vous? 33. Ah, 33. Ouais. Oui, parce que je parle également le slovaque. Presque le consiste. Non, non. Ah, flamme le consiste. Non, non. Presque le célibataire. Il est de retour, mesdames et messieurs! Unleash the Kraken, Jean-Luc! Jean-Luc est de retour! Le maître des accents! Oui! Il est très fort, c'est le maître absolu qu'on s'incline devant Jean-Luc Prime Accento. Ah oui. Combien de fleurs mois? 39. 39 mois? Oui. Yeah. De célibat? Yeah. Oh, c'est pour ça. Tu as beaucoup maigri depuis. En vrai, il me régale. Non mais vraiment, il me régale. Aminata, vous, est-ce qu'il y a certains de vos amis masculins, vous-même, qui vous plairaient bien? Peut-être pompier? Oui. Oui. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. 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 Ah oui, donc on va pas en parler. Voilà, voilà pourquoi. Aminata, vous avez répondu? Oui, 30. Merci. Ah merde. Cédric, vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Ça se passe bien? Ouais, très bien. Ouais. C'est un monosourcil qu'il a ou je suis en train de full rêver là? Ça s'appelle comment? Charlotte Elodie. Ah, vous avez deux. Vous pourriez pas en donner une à Philippe parce qu'il est tout seul? Pas mal. On rêve pas le mono. Charlotte ou Elodie, mono de fou. Bah que Charlotte, c'est pas mal. Ok. Que Charlotte, le truc, c'est qu'on peut la faire à la fraîche. À la... Après, c'est sa faute. Lui, c'est un assassin. Ce mec-là est un assassin. C'est à cause de lui que Jean-Luc part. Je vous le dis. Elle est là, non, Cédric? Non. C'est mieux qu'elle soit pas là. Bon, qu'elle travaille bien. Hein, qu'est-ce qu'elle fait, Charlotte Elodie? Bah là, du moins, elle travaille pour un mois comme standardiste. Ah, d'accord. Sympa? Ouais, c'est sympa, ça va. Ok, sympa. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis fraiseur.
Oh, tourneur. Qu'est-ce qu'il y en a des tourneurs fraiseurs qui viennent attention à la marche? Ça, c'est l'émission du peuple. C'est l'émission populaire. Voilà, je le dis. Mais c'est bon ça, je le tiens le scénar, mais quel bonheur, c'est magnifique. Alors, Charlotte ça, Fraser. Mais oui, bah oui. Qu'est-ce qu'on peut? Bah oui, mais là on le tient bien. Cédric, vous avez répondu 25. 25. Bon les gars, je pense que je suis... Moi je me dis que bon, après ils ont peut-être mytho. Franchement pour moi c'est au-dessus de 50, voilà je le dis tout de suite. Que fantasme sur certains de leurs amis masculins. Les filles qui êtes dans le public. Vous fantasmez hein, sur vos amis masculins. Ah, vous voyez, voilà, voilà. À hauteur de... Mais c'est pas vrai, c'est faux. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux, putain. C'est totalement faux. 20%, bravo Cédric, oui. C'est totalement faux. Les plus éloignés, non. On va perdre... Ouais, ben moi aussi, hein, on va perdre un petit pote, hein, les amis. Mireille va partir. Mireille, c'est dur. Oui. Donc 80 ne me connaissent pas. Ok, Manon. Oui. Mireille, tant pis. On va quand même vous offrir un joli cadeau, Mireille. C'est bien. Voilà. C'est bien. Bah c'est quoi la voix? Du bon pied, vous vous lèverez. Pour vous, ce réveil fait aussi radio. Il est appelé Radio Réveil. Oh, le Radio Réveil, incroyable. Elle est choquée. Oh mon Dieu. Ah oui, oui, oui. Je vous fais un bisou. Et à chier. Merci. Bonne... Oh, bah, on s'en fait d'autres. Hein, et puis tout ça. Et puis c'était vraiment très sympa. Très bien. Ça vous a plu? Très bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Eh ben, on va y aller. On va y aller. Au revoir, Mireille. Merci. Au revoir. Allez, Mireille, faut quitter le plateau. Et maintenant, mes amis, pour cette question en or, point de musique originale, voici la musique du western. C'est la question dernière en or, les amis. La question que nous allons vous poser. Philippe. Oh, les plans Minata diaboliques. Les plans diaboliques. Et Cédric. Un de vous trois sur la prochaine marche ne passera pas. Oh, le mono qu'on a vu. Nous allons parler de John Wayne. Combien de premiers rôles celui-ci le mono est confirmé. Obtenu dans sa carrière? Wow. John Wayne. Wow. Frérot, c'est dur ça. J'en sais trop rien, mais il a fait quand même beaucoup de films, non? En first role. Je sais pas. Je vais dire... J'ai peur d'abuser, je vais dire ça. Allez hop, j'ai peur d'abuser, j'ai pas envie d'être un abuseur. Sous les yeux de Pat Macbeth. Là c'était en 2002 quoi. Pat Macbeth, c'est lui. John Wayne de son vrai nom, Marion Michael Morrison. Marion Michael Morrison. Ami Philippe, le Portugal vous regarde. Vous dites... Allez, faut remettre la couleur là 32. Les gars. 32, oui. Ouais, moi j'ai mis ça. J'ai mis 30. Aminata, le Sénégal, vous regarde, vous dites... Minata. Oh, bouh, bouh. Oh, de l'eau chaude. Les Fraiseurs vous regardent. Et vous dites... 25. Les gars, on est safe. John Wayne safe. A obtenu combien de premiers rôles, s'il vous plaît? 100. Oh, je pense qu'on a sous-estimé John Wayne. Je pense qu'on est des chiens. Je pense qu'on est vraiment, vraiment des chiens. Ok, respect John Wayne. Respect, les gars. Respect pour John Wayne. 142. Safe. On perd rien. On perd rien ici. Fou. 142. Oh là Philippe là passe. Là là là. Cédric passe. Malheureusement, c'est Aminata qui en paye le pot cassé. Aïe, aïe, aïe. 142. Ah ouais, bah rien à dire. Nous vous offrons un dîner sur les bateaux. Oh là, ouf. Maintenant qui dit dîner, j'ai très peur parce que vous savez qu'il y a une pub qu'on peut pas... Sur Twitch, on se fait ban. C'est le cabaret, là, le Moulin Rouge. Il y a du nibar. Allez, en amoureux, romantico. Bon, on finit à un pote, les amis. Voici un dîner en amoureux sur un bateau mouche qui vous mènera sur la scène. Un bateau mouche. Elle est pas belle.
Eh bien, écoutez, merci à vous, au revoir. On passe sur la deuxième marche, les amis. Les deux garçons se sont débarrassés comme ça, quand même en gentleman, des deux filles. Mais cela nous promet de la bonne humeur sur la deuxième marche. Ouais, 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 ouais. Vous savez, j'ai envie de faire un autre truc pour la deuxième manche. Parce qu'à chaque fois, je dis ouais, je pense que c'est ci, je pense que c'est ça. Maintenant, je vais prendre le rôle du plus ou du moins sur la deuxième manche. Comme ça, au moins, ça marque la différence avec la première manche, ok? Je dirais toujours plus ou moins. Ok, je m'adapte, les gars. Voilà, je suis un peu foufou, garçon. Voilà, je le fais. Ouais, tout va bien. De toute façon, la deuxième manche, il n'y a pas de bête, il n'y a rien, c'est pour la troisième manche après. Lorsque vous rentrez à la maison, la première chose que vous faites... C'est déjà envoyé le bête pour la troisième manche, donc allez-y. Je vais faire ma toilette et après je vais aller voir ma copine. Un petit bain de toilette et puis la copine. Voilà. Vous, Philippe, quand vous rentrez... Moi, je regarde mes emails. Ah, vous regardez vos emails? Ouais, direct. Direct. Quelle sorte d'email? En 2002, c'est la folie. Les amis, les... Les amours. Les... Ah ben non, c'est vrai que vous êtes seul, oui, c'est vrai. Mais vous recherchez quelqu'un ou pas? Vous voulez qu'on lance une petite annonce en direct à la télé? Non, j'attends que ça vienne tout seul. Vous attendez que ça vienne tout seul? Attention. J'attends que ça vienne tout seul, ça viendra tout seul. Voilà, elles seront attirées par moi. Et des potes qui sont restés tout seuls. Hein. Sur 100 Français, Cédric, combien utilisent un savon liquide pour se laver les mains? C'est Cédric, bien sûr, qui répond. Waouh, les gars, en 2002, moi j'aurais tendance à dire... Vas-y, on va laisser faire. Bah parce qu'en fait, est-ce qu'on compte le liquide vaisselle, tu sais? Nous, on utilise le liquide vaisselle vite fait, comme ça et tout. Ah, je dirais beaucoup, hein. Je dirais 60. Je dirais 60, moi. Au moins 60. Ça dépend ce qu'il va dire, mais... Sur 100. Savon liquide. Savon liquide, ouais. Vous êtes plutôt liquide ou savon dur? Ouais, liquide. Ouais. Liquide. Vous nous dites? Je dirais 60. Oh bah putain, il nous fait chier le con. Oh non. Bah, c'est à tout pile. Bon bah... Merde, le seul moment où on propose un truc, il dit la même chose. Vas-y, c'est bon, il est relou. Ah bah oui, c'est vrai que je peux pas utiliser ça. Allez hop, c'est bon. Je vais dire ça. Bah oui, parce que si je fais ça, je fais... Ouais, voilà. Ça fait comme ça, c'est pour ça. Je dis plus. 60, bien. Bon, Philippe, c'est le jeu du plus ou du moins, vous le savez. Je dirais moins. Ah, vous diriez moins? Ah, vous diriez moins? Moi, je dis plus. Et vous savez, dis-moi. En portugais, moins? Menos. 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 Et plus, ça se dit? Mais. Mais. Menos et match. Et là, c'est menos. Et là, c'est... Ah, c'est match. Ah, yes, 78. Ah ouais, c'était sûr. C'est un grand classique. C'est donc Cédric qui fait monter son petit pote. Un grand classique, les gars. On va partir sur la route quand même. Quand j'étais sur la route toute la seule journée, je n'ai pas vu de tout. En moi, s'immisçait. Combien de cartes? Oh, GG! Contient un jeu des 1000 bornes. Waouh! Philippe, question vous connaissez chien, ça, j'en ai aucune idée, moi. Ouais. Toute mon enfance, Jean-Luc. Oui, il y avait. Vous nous rappelez juste les cartes, parce que c'est sympa. Ah, oh, il y avait vous savez, les coups fourrés, là, vous savez, les bottes, il y avait la citerne d'essence. Le pneu. Le pneu increvable. Je sais pas, j'en ai aucune idée, c'est plus qu'un jeu de cartes. Véhicule prioritaire. 1000, t'as capté, MDR? Je sais pas, je dirais 70, 80 max. 125, bien. Ok, le 125, les gars, je pense que... Alors, j'ai jamais joué aux 1000 bornes de ma vie, donc voilà, bah voilà, je le dis. Pour moi, c'est ça. Peut-être que j'abuse, quoi, mais... Cédric, le jeu des 1000 bornes... Je dirais plus. Vous diriez plus, ah ouais, de 125. La réponse est... 100. Yeah, Philippe, vous avez... Mamma mia! Je suis très bon, je suis très très bon, les gars. Voilà, je vous le dis, je suis trop fort. Combien de chiffres, virgule, comporte un relevé d'identité bancaire en tout, point? Un RIB. Oh, le RIB. Relevé d'identité bancaire, Cédric. Waouh, attends, combien de chiffres comporte un relevé? Ah ouais, mais le RIB en tout, il y a le IBAN, il y a le BIC, il y a le numéro de compte, machin. Donc, c'est, tu sais, souvent, c'est genre FR76, donc ça fait 4. 4, 8, 12, 14. Ouais, je dirais 20. Mais non, je peux pas répondre, je dis plus ou moins, je suis con, moi. Mais moi, j'aurais dit. Ouais, c'est une vingtaine, 30 max. Moi, ouais, je dirais 30, allez, 30. Tout, hein. Moi, j'aurais dit 30 à peu près. Ça dépend ce qu'il va dire. Un relevé d'identité bancaire. Ouais, il y en a beaucoup. Hein.
16. Non, c'est plus. Plus. 16. 16. Non, les gars, je vous le dis, c'est Philippe. Plus. J'irais plus. Ah, vous diriez plus. Ouais, pareil. Pareil. Et la réponse, parce qu'en fait, il y a les numéros de l'établissement, il y a exactement, les numéros du guichet. Ah ouais, non, mais il y a trop de trucs. Un nombre de chiffres pour le compte et il y en a deux pour la clé. Oui, oui, la fameuse clé comme à la sécu. Voilà. Bien. Et la réponse est 23, c'est plus. Waouh, c'est plus, mais c'est pas tant plus que ça en fait. Je m'attendais à. Moi, bon, j'avais dit une vingtaine au début, je sais pas, après, je suis revenu sur mon truc. Ouais. Ah, c'est plus. C'est Max. Et là, pour c'est l'instant, Max. Je suis en légende. Je suis une légende du jeu, là. Je suis une légende du jeu. C'est super. Faites beaucoup la fête ou pas, Philippe? Ça m'arrive, mais avec modération. Avec modération. C'est bien. Je m'endors toujours avant 1h du matin sur la banquette. C'est pour ça que vous trouvez personne. Oh non, le oui. Bébou. Ouais. J'avais pas compris, alors. Il faut faire une petite sieste l'après-midi, tu vois, une fois que t'as fini. Enfin, ouais, on a cours l'après-midi. Bah, tu se fais, là. Il le tutoie d'un coup, il a pété un plan. T'es mal, comment il le tutoie? Je pense que là, il capte qu'il a tutoyé le gars et il change son truc. Sieste regarde. L'après-midi, tu vois, une fois que t'as fini. Tu vois, là, il revient. Ça revient le Jean-Luc, là, tu vois, plus en émission. Enfin, ouais, on a cours l'après-midi. Bah, tu se fais la sieste en cours. Alors, on s'en bat les couilles. Et après, t'es tranquille, t'arrives pépère, 22h30 dans la soirée, fringant, bonne heure, et tu y arrives. Ça sent du Jean-Luc qui a roulé sa bosse. Hein. C'est trop. Trop. Eh, sur 100 Français, combien sont déjà allés travailler après une nuit blanche? Waouh, moi j'ai déjà fait. Mais c'est plus simple quand t'as nuit blanche, après tu te mets sur ton PC, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais nuit blanche, c'est assassin, c'est très très dur. Hein. Et je dirais au cas. Entre 30 et 40, moi je dirais. C'est à vous. Ouais, ça c'est dur. Ouais. Pas si énorme en vrai, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. 22. Ouais, déjà fait l'horreur, pire journée. J'ai déjà fait aussi, mais c'est dramatique. 22. Je dirais un peu plus. Moi perso, je dirais plus. Une nuit blanche, on dort pas et on y va direct. Hein. Ouais, je dirais moins. Non, je pense qu'il a perdu, c'est plus. Il faudrait que vous vous appreniez également à parler portugais. Menos. Pas mal. La vanne est formelle. Banger, ça joue. La réponse est de... Mais 60, mais les gens sont des malades. Après, c'est au cours de ta vie, combien sont déjà allés le faire? Ouais, c'est vrai. 111. C'est énorme. C'est Philippe qui va monter. Vous avez déjà fait le chat? Mais oui. Moi, j'ai déjà fait, mais c'est dur. C'est dur. Super, bravo. Et bravo également à Cédric. Vous voyez, au début. Ouais, pas mal. Pas qu'une, ça a ruiné ma fac. On a écarté et on vous l'offre comme ça, cette télé interactive. Ah, ok, oui, on a eu peur. Vous venez d'obtenir un téléviseur interactif 16/9. Souvenez-vous, on a regardé ça, hein, ce que c'était, parce qu'on en était très... Voilà, le Thomson Tac Interactive TV, ça a été un flop. Voilà, flop absolu, bide. Ça a tué la marque. Une Thomson Tac de chez vous, avec votre télécommande. Mais c'était... En fait, c'était quoi ça? C'était une Smart TV. Mais c'était trop en avance sur son temps. Tu pouvais carrément jouer au jeu et tout en temps réel, etc. Mais c'était la folie. Hein. Sauf que c'était trop en avance sur son temps. En 2002. Laissez et jouer pendant vos émissions. Bravo, merci Cédric. Ouais. Et c'est Philippe, célibataire, portugais, qui va monter sur l'escalier. Comment ça se dit un escalier en portugais? Escadas. Eh bien, bienvenue sur l'escalier. Il aime trop parler toutes les langues, Jean-Luc. Eh oui, il est multiculturel. Bon, Philippe, dans la vie, alors? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis en fac de sport. Oui. En STAPS. Oui. En licence, en troisième année. Et vous êtes venu avec qui, Philippe? Je suis venu avec Eric. Eric? Un ami de la fac, on a fait une première année ensemble et il est toujours en première année. Ok, d'accord, c'est bien. Non, mais c'est... Rien pour assassiner son pote. Bien, super. Bien, écoutez la première question. Je l'aime bien, moi. J'espère qu'il va gagner 10 000 balles, les gars. Si ça vous dérange pas. Oh, vous avez voté quoi, en fait? Au Portugal. Il y a de la langoustine qui vous attend. Très bien. Et y a 10 000, pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Vous êtes beaucoup, 1000 balles. Beaucoup, 1000 balles. Ok, je vais essayer de faire mieux. On commence à 250, c'est le minimum qu'on peut faire.
crustacés. Allez. Une langoustine à combien de pattes? Attends, je vais... combien de pattes? Attends, soit 8 pattes, soit 10 pattes. Soit 8 pattes, soit 10 pattes. 1, 2, 3, 4. Bah 10, non? Je dirais 10. C'est pas 4 et 4 et il y a celles qui sont au-dessus. Là, on n'a pas 4, 4 et... Non? Ah, je sais pas, je vais dire 10. Allez, je dis 10. La langoustine. Je dis 10, les amis, je sais pas trop. De haut. Est-ce qu'on compte? On compte les pinces, tu vois ce que je veux dire? 2 sur le côté. 2 sur le côté. J'aurais comme ça, 4. Et celles qu'il y a au-dessus, là. Allez, ouais, 10. On dit 10. 10, ouais. En portugais, 10. Derge. Derge. Et la réponse est... Derge. Oui. Derge. Sous les yeux de votre copain Eric, donc, eh ben, on vous offre 500 euros. On est déjà minimum à 500 euros, les gars, ici. Ouais. Ça veut dire que quoi qu'il arrive... Non, rien, j'allais dire un dingue. Pas de faute, jusque-là, ça va bien. On monte sur la marche suivante, où il y a 1000 euros tout de même. Ok, 1000 euros. 1000 euros, c'est là où vous allez croire, moi. Est-ce qu'on va faire les 1000 balles au minimum? Est-ce que je vais faire le perfect aujourd'hui? Non, c'est la pub. C'est la pub. Non. Mais c'est pas maintenant. D'accord. C'est la pub, c'est à la pub, c'est à la réponse, hein, on le connaît. À la télé, les premiers spots de pub furent diffusés en quelle année? 68 ou 70? Waouh, vas-y, c'est un truc de bâtard, ça. 68 ou 70 à la télévision. On va dire 70. Mai 68, est-ce que ça a créé un truc et tout? Je sais pas trop. Franchement, en fait, par pur hasard, je dirais 70. Ah ah. 70. 68, ça me semble un peu trop tôt, mais peut-être que je me trompe. Hein. C'est de la chance. Ouais, bah là, c'est de la chance. Ouais. 68? 60. Moi, je dis 70, les gars. C'est de la chance, vous dites, vous? Ouais. Eric, petit... Voilà, c'est la pub. Pub. Voilà. Et puis, on connaît. C'est 21, ouais. Ouais, ouais. Eh bien, on est le 10 mai, donc... Ouais, c'est formidable. C'est fou, hein. Ça fait déjà 21 ans. Ouais. Et vous avez quel âge? 20 ans. 20 ans? Ouais. Bah, vous étiez même pas né. Non. Imaginez-vous la vie qu'on a quand même, hein. C'est dingue. Histoire de fou. Vous avez répondu 68. Ouais. Jusqu'à maintenant, vous aviez fait un sans faute. Et ça continue. C'est la bonne réponse. Fuck. Jean-Luc. Oui. Chier. À l'époque, cela s'appelait la... Bon bah je reste à 500 balles, les gars. Régie française de publicité, je me souviens très bien, c'était un petit dessin animé, on voyait un castor aussi. Et le sonal c'était... RFP, Régie française de merci publicité. À lui pour mais ce mouvement. Très bien. Bravo à vous, pour l'instant sans faute pour un étudiant sympa, 1000 euros pour vous. On monte sur la marche... Ah non, on reste à 500, on est à chier. En même temps, la question était horrible. Électrique, électrique. Elle prend la vie au sérieux. Une ligne à très haute tension. Même si elle s'en fout. À une puissance maximale. Ouais. De 100 000 volts ou de 400 000 volts. Waouh. C'est pas évident. Mais au maximum, très haute tension, je dirais 400K. Bon, je dirais 400K. Très haute tension. Eh les gars, oui, une ligne à très haute les gars, c'est une très haute tension. Si c'est 100 000, tu ne mentionnes pas. 100 000, c'est nul. Je pense que c'est 400K. Puissance, ça s'exprimerait en kilowatts. Là, nous sommes en volts, donc c'est une tension. Bien. Ah oui. 100 000. 100 000. Nous validons 100 000. Non, c'est 400K. Je pense que c'est 400K. La réponse est de... Mais bien sûr, mais 100 000 volts, c'est rien, je les prends comme ça à la main, je peux même les manger, frère. 400 000 Aïe, 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 aïe. C'est bon. Aïe, 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 aïe. Ok, on est à 1000 balles. On garde quand même les 1000 euros, bien sûr. 1000 balles. Et nous allons tenter les 5 000 5 000 balles aussi, on est pareil. 5 000 euros sur la dernière marche aujourd'hui. Dites-vous, tous ceux qui ont voté autre chose que 1000 ou 5 000 balles, bah vous savez que vous avez perdu. Par contre, il y a 9% sur 5 000 balles, il y a une cote à 11,62. Ça, c'est quand même fou, malade. 1000 balles, la cote est à 3,26. Il y a 33 cas qui ont été posés par quelqu'un aussi. Donc, bon, ça peut se régaler. Quoi. On vous offre, alors là, c'est royal, un an d'abonnement à TéléZ. Merci TéléZ. Merci TéléZ. Je vais essayer de faire les 5000 pour vous, les gars. Vous connaissez la chanson ici, hein, ce qu'on va faire. Vous êtes célibataire. Je vais proposer une réponse. Il va y avoir un sondage d'accord ou pas d'accord. Oui.
Bah, on est obligé. Et ensuite, je peux changer une fois, comme le candidat. Pour pouvoir essayer de exprimer corporellement ce, oui. ce qu'on ressent à l'intérieur. Ouais. Et qu'est-ce que vous ressentez là à l'intérieur en ce moment? Parce que là, ça va. Ça va bien. 5000 euros, c'est quand même sympa. Hein. Ouais. D'accord. Vous connaissez le lac des Cygnes, non ou pas? Oui. Bien. J'aime beaucoup. Vous aimez beaucoup? Ouais. Vous pouvez danser sur le lac des Cygnes ou pas? Seulement avec vous. Vous me prenez. Oh là là. Oh, il te prend en otage, Jean-Luc. Je suis là. Aïe aïe aïe. Il a baisé en vrai. Venez là. Vous, un peu sur la gauche, comme ça. Alors là, on fait un balancé comme ça. Très fort, très fort. De l'autre côté, c'est bien. Ouais. Sur les pointes, Jean-Luc, sur les pointes. C'est pas mal. Sur les pointes. Et bien sûr, sur cette élancée, la porte s'ouvre. Oh, le pauvre cygne. Sac Bilbao. Allez, les gars. Nous allons parler haut lac du monde. Oh, à merde. Quelle hauteur est-il situé en mètres? Souvenez-vous que la question des dunes, là, j'avais eu 0 sur 20, frère, j'en savais rien. J'avais dit que ça faisait 3 mètres. Bon, les trucs de hauteur, je suis trop... Le plus haut lac du monde, dans un premier temps, okay. 5000 euros derrière... 3578 mètres. C'est plus. Le plus haut lac du monde se situe peut-être à 4578. C'est plus. Ça va? Ouais, ça vous semble à peu près... Moi, je pense que c'est à 100 000 mètres. Troisième possibilité à... Commence à faire beaucoup. Et dernière. Pourquoi? Ok. Ah ouais. C'est le lac Pipi Caca. Le lac Pipi Caca, non, c'est... Titi Caca, normalement. Titi Caca. Mais je crois même pas que ce soit lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est même pas Titi Caca. Il ne s'agit pas du lac Titi Caca, il s'agit du lac Namtso. Oh non, Marito, qu'est-ce que tu as fait? Tu as réveillé Jean-Luc, tu as lancé la bête. Non. Bien. Donc au Tibet. Alors c'est bon. Ami Philippe, une première possibilité. Bah je dirais. Bon moi ma première possibilité, je vous la mets ici. 6500. Ah non moi c'est pas ça. Moi c'est ma première possibilité c'est 4575, là, je sais plus. C'était pas ça, non? Attends, faut qu'il remonte. 78. 6578. 4578. C'est votre première possibilité. Il y a eu quelques frémissements. 4578, je vous dis, c'est ma première possibilité, d'accord? Maintenant, vous votez le chat. D'accord ou pas d'accord? Ça qui est important. Juste d'accord ou pas d'accord? Frémissement dans le public, vous avez entendu. Je leur fais tout le temps ça. Ouais. Et pourtant, vous êtes. Célibataire. C'est mon choix. C'est votre choix. Je vous propose bien sûr de prendre les télécommandes et de les jeter sur votre voisin. Car. Souvenez-vous qu'on s'est bien fait baiser la semaine dernière avec. Avec le dernier, vote. Vous voyez, c'était sur l'ONU. Non, l'OTAN, je sais plus. Non, l'OTAN, je crois. Bien, Jean-Luc. Oui, l'OTAN, pardon. 85% du public. N'acquiesce point avec la première réponse. Donc ils désapprouvent. Ok, donc ils sont pas d'accord. Et vous êtes à combien? Rapidement. Vous êtes à 68% pas d'accord. Ouah, c'est chaud. Ça veut dire que c'est peut-être beaucoup plus haut, quoi. 85, c'est fait. Peut-être beaucoup plus bas. Quoi? Ouais. 85, c'est. Je suis embêté, là. Il est... Ça peut être plus haut, plus bas. En vrai, plus bas, ça me semble un peu trop bas. Vous êtes pas d'accord, ils sont pas d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a un monde où c'est 5578 quoi? Moi, j'hésitais entre les deux là. Donc, en vrai. Il faudrait changer peut-être. Vous voulez faire quelque chose? Vous voulez appeler un ami peut-être? Le 50-50, quelqu'un. Non? Ah, c'est trompé de jeu par contre. Ok les gars, ben moi je vais dire. Ok, je vais dire ça alors. Je vous fais confiance. Les gars, je vous préviens tout de suite. Si. C'est pas ça. Vous irez vous faire foutre.
D'accord, vous m'aurez trahi encore une fois. L'ami. L'ami ? Oui. Ça tombe bien. On a un ami à vous dans le public. Où ça ? C'est l'invité. Parce que la dernière fois, vous m'avez dit pas d'accord. J'ai changé et c'était ma solution. On vous a reconnu puisque vous êtes seul à l'antenne. Bah ouais. Eric, une question toute simple. Qui est votre coiffeur, Eric ? Le fils de pute. Il me régale, il est trop fort. Ma mère. Ma mère. Pardon ? Ma mère. Vous lui envoyez mes amitiés personnelles. Merci. Elle s'appelle Barbara. Barbara. Merci, Eric. S'il vous plaît. Eric, il vient de se faire terminer en live. Il s'est fait terminer, voilà. Alors, l'ami est là. Qu'est-ce qu'on lui demande ? C'est plus, c'est moins. Plus, c'est pas possible. C'est moi. C'est plutôt moins ou moins ? Moi, je dirais 5005. Bon, il y a 5000 euros, on ne rigole plus. 5000 euros au Portugal, c'est 5000 euros. Ça fait 5000 euros, oui. Vas-y. Merci. 5005, c'est 5005 ! Alors, faut y aller, faut prendre. Maintenant, sous l'œil de la France. Sous l'œil de votre ami Eric, quelle altitude en mètres nous donnez-vous ? 5578. Bah oui, mais quoi, ils sont pas d'accord, vous le public. Vous êtes pas d'accord ? Attendez, c'est votre savoir, dernier mot. Ouais, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oh merci, Sonsi, merci. Et merci pour le tiers 3. Philippe. Quelle première altitude voulez-vous que nous dévoilions ? 3578. Y a-t-il 5000 euros derrière 3578 ? Ils sont malades ! L'épisode, il est golden ! Non. 4000, s'il te plaît, dis 4000. 4000 pour voir si je me suis fait troll par le chat. On en dévoile une deuxième. Le 6578 ? Non ! 6578. T'es maintenant dans 2008. Nous dévoilons 6578. Une chance sur deux. Alors peut-être. Bon, ouais. Arrête de faire ça. 5578. Attendez, bah si on est obligé là. Bah on est mini-con. C'est lourd, hein. Ouais. Bah, vous voulez enlever 4578 ? Y a-t-il 5000 euros derrière 4500 ? Attends, il veut ouvrir l'autre ? Oh putain, c'est du jamais vu ça, personne fait ça. 78. Son cœur bat. Alors qu'il a juste à ouvrir la sienne pour savoir s'il a raison ou pas, il a rien compris. Je suis pas ta boum. Il s'appelle comment le lac ? Nanso. Nanso ? Le lac Nanso ? Oh putain, vous êtes des merdes ! Mais c'est le temps ! C'est hallucinant, mais c'est le pire chat de tous les temps. Vous êtes trop nuls. Très très fort, Philippe, parce qu'on a passé un très bon moment. C'est vraiment marrant, c'était sympa. Mais vous êtes trop nuls. Mais pourquoi je fais confiance en fait? Oh, vas-y, c'est très très grave. Google ne dit pas ça. Oui, mais attends, on était en 2002 là, frère. Il n'existait pas ton lac peut-être. Et ouais, bah ouais. Lac le plus haut du monde. Lac Titicaca à 3800. Bah, tu vois, déjà, il nous sort ça, le lac le plus haut du monde. Lac, il a dit Nanso. Donc, je vais essayer de l'écrire. Nanso, perché à une altitude de 4720 mètres. Le lac Nanso est incomparable. Aussi appelé lac céleste en tibétain, aucun autre nom ne pourrait mieux lui aller. Plus haut lac d'eau salée du monde, ses eaux cristallines donnent l'impression de se fondre avec le ciel bleu du plateau tibétain. Le problème, c'est encore une fois une question de nuance sur cette question. C'est dramatique parce qu'ils disent donc que c'est effectivement le plus haut lac d'eau salée. Mais à aucun moment là, dans la question, il y a marqué l'eau salée. Ils disent juste est situé le lac le plus haut du monde et c'est tout. C'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que, souvenez-vous, la semaine dernière, on avait la même chose avec l'OTAN et les pays qui n'en font pas partie. Au final, il n'y en avait marqué qu'un, mais en fait, bon, ça évolue entre-temps. Donc, la vérité, c'est que la question, c'était pas bon, quoi, avec la question. Parce que techniquement,
Il n'y avait même pas la bonne réponse. C'était 1, 4, 8, enfin, je ne sais plus quoi. Et la vraie, question, la vraie réponse à cette époque-là, par rapport à comment c'était posé, ça aurait dû être 3 et non pas 1, tu vois. Donc, la question, là, elle n'est pas cadeau, les gars. Je me fais baiser. Hein. De toute façon, en vrai de vrai, ça ne change pas grand-chose pour nous, puisqu'on aurait voté ça, quoi qu'il arrive. Enfin, on aurait mis ça, vu que je vous ai fait confiance. Donc, en vrai, je gagne 1000 balles. Mais je gagne 1000 balles à votre faute. Moi, j'aurais pas bougé. Je serais resté sur les 3500. Vous avez dit, c'est la dernière fois que je vous écoute. Les gars, vous êtes trop nuls. C'est hallucinant. Ou alors vous êtes des deux mères en fait, vous essayez de voter tous faux parce que vous avez voté 1000. Non, c'est... Je vais arrêter de vous poser la question d'accord, pas d'accord. Vous faites tout pour me baiser en fait. Je pensais que j'avais un chat honnête et intègre. Vous jouez pour les points. Mais évidemment, vous avez tout intérêt à faire ça. La prédiction c'est 1000 du coup, j'ai FK. Bah ouais, c'est 1000 parce que les gens ont dit n'importe quoi. Et ouais, bah c'est la dernière fois. Maintenant, vous savez quoi? Je ferai plus le truc d'accord, pas d'accord. Je prendrai le d'accord, pas d'accord du public ici. Parce que lui, il me trahira pas, les gars. Hein ? Voilà, je vous le dis. Il y avait 22% de bro, merci à eux, en tout cas. Merci à eux, voilà, je le dis. Bon, ben ainsi s'achève cet épisode. Honnêtement, très, très cool. Vous avez passé un bon moment, les amis ? Je vais passer un super bon moment, moi, personnellement. Encore une fois, attention à la marche, ça régale. Je suis un peu flou. Mais j'ai passé un super moment, encore une fois. Vraiment, superbe épisode du Vendredi React. On s'est fait du Fantasy Life, on s'est fait un peu de tout. Honnêtement, il y a de la belle rediff qui va arriver sur la chaîne YouTube Replay, bien sûr. Donc, c'était extraordinaire. S'il ne choisit pas la même réponse que toi, tu fais comment? Bah, c'est pas grave. Je pourrais me situer par rapport à sa réponse, tu vois. Et ce sera comme ça. Tant pis. Ouais, je peux pas, parce que vous, ils avaient trop d'intérêt. C'est vrai qu'on le faisait, mais là, il y a trop d'intérêt divergent. Voilà, il y a des petits problèmes. Il y a des gens qui veulent voir mon downfall en fait pendant la game. Je peux comprendre, ça joue les points, ça joue les cotes, mais bon, ça me fait un peu mal au cœur. Donc la prochaine fois, bah, on la jouera à l'ancienne. C'est-à-dire, je vous ferai aucunement confiance parce que vous êtes des trahisseurs, ça veut rien dire. Vous êtes des traîtres.